C'est sur les campagnes verdoyantes de la Puisaye que la Bourgogne ouvre en nord-ouest son cœur. Là, au pays tant aimé de Colette, pays des bois et des temps, où les ruisseaux musardent entre les champs de blé et les églises. À Saint-Fargeau, les habitants racontent à travers la célébration de la vie paysanne l'attachement des bourguignons à la terre. C'est dans cette union si profonde ici du pays et des hommes que réside le secret de l'unité de la Bourgogne. Une unité de tout temps, indéfectible, où s'enracine l'identité d'appartenance, comme au sol, le pied de la vigne. Parmi les arbres de son immense parc, le château veille plus loin sur la tranquillité de Saint-Fargeau. À la sévérité de ses tours s'oppose le rose tendre de la brique et derrière la porte massive, la cour d'honneur, conjugue entre les trois corps de logis une élégance insoupçonnée. Entre fermes et châteaux, chaque été réinvente à Saint-Fargeau l'histoire des paysans et des rois, dans le brio de spectacles éblouissants. Auxerre, ville de rivière et d'église. Où domine la cathédrale Saint-Étienne dans la flamboyance de sa façade. À l'intérieur, la lumière des vitraux court sur les 47 jeux de l'orgue, jusqu'aux voûtes de la crypte romane, dont les fresques carolingiennes sont parmi les plus anciennes de France. Captant sur son double cadran les jeux du soleil et ceux de la lune, la tour de l'horloge égrène le temps qui passe.
tandis qu'au pied de l'ancienne cité épiscopale, Lyonne roule ses eaux indolentes. La cathédrale porte également le nom de Saint-Étienne. L'ampleur étonnante de sa nef témoigne de la grandeur passée de cet ancien archevêché, ainsi que l'importance de son trésor, dont les splendides tapisseries de soie et de laine, au fil d'or et d'argent, sont incontestablement les pièces maîtresses. Loin des richesses et des ornements du gothique flamboyant, l'abbaye de Pontigny affirme dans le jaune des blés majesté et rigueur. Quasiment aussi vaste que Notre-Dame de Paris, Pontigny est la plus grande abbaye cistercienne de France. La charmante ville de Tonnerre. Et quelques kilomètres plus loin, les vignobles de Chablis, la porte de la Bourgogne, dont la terre des coteaux est pétrie d'huîtres fossiles qu'en se retirant, la mer a laissées. Dans le secret des caves, près de 300 vignerons produisent ici l'un des vins blancs les plus réputés et parmi les plus anciens crus de France, puisque ses origines remontent au 9e siècle. Vin vif au bouquet délié, le vin de Chablis offre en bouche une fraîcheur surprenante. Blotti dans un méandre du Serein, la cité de Noyers livre à l'abri des 16 tours de ses remparts le pittoresque de ses maisons médiévales. Dans les eaux immobiles de ses douves, le château de Tanlay. Fief important du protestantisme au XVIe siècle et bel exemple de la Renaissance française. Thank you.
Le château d'Ancy-le-Franc, qui, à quelques kilomètres plus au sud, conjugue en sa cour intérieure de tendres parfums d'Italie. Derrière le classicisme austère de la façade, les splendeurs des décorations et des mobiliers luxueux. Vézelay. Comme une barque, écrivit Paul Claudel, qui a jeté l'ancre dans l'horizon. Dans la grandeur de la basilique Sainte-Madeleine, la pureté bouleversante de l'architecture romane et l'émotion d'un lieu si plein de la ferveur des hommes. Saint Bernard y prêcha en présence de Louis VII, la seconde croisade en Terre Sainte. Et les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle y viennent chaque année prier. Entre Clamecy et Saint-Fargeau, le château de Ratilly connut au XVIe siècle les troubles des guerres de religion. Après les Huguenots, les jansénistes y trouvèrent refuge au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, la pierre ocre de l'imposant château du XIIIe se fait l'écho d'activités beaucoup plus douces, liées toujours à l'argile qui, depuis l'époque gallo-romaine, a vu naître ici des générations de potiers. Au sud de Lyon, la forêt de Guérigny court en Nièvre jusqu'à Nevers. Importante réserve naturelle, elle abrite une faune nombreuse, dans l'intimité des sous-bois et les senteurs de feuilles. Nevers, au confluent de l'Allier et de la Loire, dans la beauté de ses constructions romanes, gothiques et renaissance. La cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julite, la porte du Crou, l'église Saint-Étienne et le palais ducal attestent des splendeurs passées de la ville.
avec Henriette de Clèves, Marie de Gonzague, Marie de la Grande d'Arquian et Bernadette Soubirous qui repose au couvent Saint-Gilles d'Ars, la capitale du Nivernais conjugue au féminin son histoire. Mais ce sont les hommes qui firent pourtant, au XVIe siècle, la renommée de la ville. Faïenciers remarquablement habiles, qui perpétuèrent ici la grande tradition italienne, transmettant de génération en génération une maîtrise et un savoir-faire étonnants. Aujourd'hui comme hier, les faïenciers de la manufacture du bout du monde travaillent chaque pièce manuellement, employant les mêmes terres et les mêmes teintes qu'il y a 4 siècles. L'argile rouge broyée à la marne blanche, puis les bleus profonds, les manganèses, les cobalts et les turquoises, qui font toujours la gloire de la faïence de Nevers. En Bourgogne, l'eau court partout, au fil de canaux ponctués d'écluses. Comme ici, le canal du Nivernais, qui relie la Seine et la Loire. S'étendant de l'Orme à Saulieu et d'Avallon à Château-Chinon, le parc du Morvan prodigue les plaisirs d'une nature offerte. De forêts et de bois s'épanouissent entre les rivières trépidantes et les eaux tranquilles des lacs.
Ici, dans l'humidité de la terre, poussent l'angélique et la digitale. Dans le clair-obscur des remises, les habitants du Morvan poursuivent les métiers d'antan. Métiers de bois et de laine, ailleurs à jamais perdus, et dont vivent toujours ici les fileuses et les sabotiers. Culture et tradition obstinément transmises. Aussi précieuses à l'homme de la montagne qu'à celui de la plaine. La terre, la vigne et les clochers dans le ciel. Et dont l'humilité faisait pourtant dire aux riches bourguignons d'en bas « Il ne vient du Morvan, ni bonnes gens, ni bon vent. » Les bonheurs donnés ont démenti de tout temps la mauvaise foi du dicton. La turbulence des eaux n'a ici d'écho que les rires. Thank you.
Dominant la vallée de la Roue, les vestiges d'Autun disent le prestige immense que connut sous le règne de l'empereur Auguste l'antique cité de Saône-et-Loire. Considérée alors comme la sœur de Rome, Autun bénéficia de constructions grandioses, parmi lesquelles le plus grand théâtre de toute la Gaule. À l'abondance des témoignages gallo-romains, le musée Rollin ajoute quelques purs chefs-d'œuvre de l'art médiéval, parmi lesquels la Vierge d'Autun et la Nativité de Moulins. De bocages exceptionnellement riches, Saint-Christophe-en-Brionnais offre chaque jeudi la truculence de son impressionnant marché au Charolais, où les agriculteurs viennent en grand nombre vendre et acheter les bœufs réputés. Les châteaux et les fermes des monts du Charolais ont l'élégance discrète et la solidité tranquille des paysages alentour. En ces tendres collines, le cœur des villes, comme à Charolles, bat à l'unisson des saisons et des hommes. Au sud de la capitale du Charolais, le château de la Clette reflète dans les eaux dormeuses de ses douves les lignes étranges de ses toitures et de ses tours. Non loin, par-dessus la Loire, le pont-canal de Digoin. Et à Semur-en-Brionnais, le donjon du château de Saint-Hugues et les splendeurs clunisiennes de l'église Saint-Hilaire. À l'extrême sud-ouest, Anzy-le-Duc donne à voir l'une des plus belles églises romanes du Brionnais, dont le clocher octogonal à trois étages est particulièrement admirable.
Cluny, lieu de ferveur et de beauté, célèbre entre tous. La prestigieuse abbaye bénédictine, qui fut fondée au Xe siècle et qui, jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome, fut la plus vaste église de la chrétienté, connut durant 300 ans un rayonnement exceptionnel. Mais commence pour elle, au XIVe siècle, une longue période de déclin à laquelle succéderont vandalisme et pillages multiples. Au XVIe siècle, les plus précieux ouvrages de sa librairie disparaîtront dans la tourmente des guerres de religion. En 1793, les tombeaux seront démolis sur ordre de la municipalité. Et quelques années plus tard, le nouveau propriétaire de Cluny décidera, pour en revendre les pierres, la démolition de la nef. Ainsi ne reste-t-il de la magnifique abbatiale que le transept et le clocher sud, quelques chapelles et quelques tours, dont celle superbe du moulin et le farinier aux salles éblouissantes. Mais les constructions de la nouvelle abbaye, effectuées au XVIIIe siècle, survivront. Réplique plus petite, mais totalement fidèle, de l'abbaye disparue de Cluny, la basilique de Paray-le-Monial reflète dans les eaux riantes de la Bourbens la pureté absolue de ses lignes. Là, tout n'est que dépouillement et lumière. À Solutré, parmi le vignoble de Pouilly-Fussé, l'horizon soudain se cabre comme un cheval. Comme au pied de la roche calcaire, se sont cabrés les chevaux et les rennes, chassés ici par les hommes du Paléolithique. Le magma de leurs ossements forme sur parfois près d'un mètre d'épaisseur un gisement unique au monde qui fait de Solutré un site préhistorique d'une importance essentielle. Du haut de la roche, la vue découvre la vallée de la Saône, le Jura et la Bresse et court par beau temps jusqu'au Mont Blanc. Mâcon. Où sous le pont Saint-Laurent coule la Saône entre les tuiles méridionales des toits et le célèbre vignoble. Alphonse de Lamartine y naquit dans le quartier de la rue des Ursulines. Les multiples propriétés familiales traceront jusqu'au château de ses amis à Cormatin un circuit de flânerie et de rêverie qu'il affectionnera toute sa vie. Et où conduisent encore, en départ du château de Saint-Point, les écrits du poète. Vous me trouverez au fond des montagnes du Charolais, dans un vieux château fort romantique, mais où je ne mène pas la vie du Moyen-Âge. C'est plutôt l'âge pastoral. Je laboure, j'élève des poulains et je chante de temps en temps. En s'enfonçant dans la gorge retrécie et boisée des montagnes de Saint-Point, on arrivait à un site qui s'est pétrifié depuis dans mon imagination et ma mémoire. Le village et le château de Pierre Clos. La jeune comtesse Nina de Pierre Clos, célèbre par sa beauté et ses talents, fit du château de Cormatin un séjour d'attrait, d'art et de délices. J'y ai passé des heures de jeunesse qui ont rendu ce château à la fois cher et triste à mon cœur.
la riance des demeures ton chéri de Lamartine, le village de Brancion, oppose la silhouette farouche de son château féodal. Au musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône, l'émotion des premières photographies du monde. Dans la magie des appareils à capter l'impossible et leur extraordinaire évolution technique. Le château de Pierre de Bresse, bel ouvrage du XVIIe siècle, ouvre en son nord-ouest le pays de la Bresse bourguignonne. Pays de bonne chère et de tables fameuses, dont la volaille, tel un cru réputé, jouit en exclusivité d'une appellation d'origine contrôlée. Fondée au XIIe siècle par Saint Bernard, l'abbaye de Fontenay livre au cœur de la forêt bourguignonne la pureté absolue de son architecture cistercienne. Merveilleusement préservés, les bâtiments de l'abbaye obéissent tous en tout point aux règles si rigoureuses de l'ordre de Cîteaux, offrant chacun une homogénéité parfaite. Et qui veut s'imprégner de toute la profondeur du lieu n'a qu'à suivre le conseil de Georges Duby. Pour saisir Fontenay dans ce qui fait son sens et le fort de sa beauté, il faut s'en approcher pas à pas, par les sentes forestières dans la pluie d'octobre, à travers les ronces et les fondrières, péniblement. Non loin de Fontenay, la forge de Buffon, que le célèbre naturaliste du XVIIIe siècle fit construire sur ses terres de Montbard pour y produire la fonte. Durant près d'un siècle, le travail de la sidérurgie s'y poursuivra, dans la chaleur du haut fourneau et les claquements des barres de fer. Entre les vallées de l'Auze et de l'Auzerin, Alésia raconte la résistance glorieuse de Vercingétorix à César. Ici, sur ces sommets du mont Auxois, dans la lutte opiniâtre que se livrèrent près de 400 000 hommes, se joua il y a 2000 ans le sort de la Gaule, celui de l'Empire de Rome et celui du monde. Ignorant les questions de frontières et de territoires, le canal de Bourgogne serpente en toute liberté entre les beaux villages et les belles villes de Côte d'Or. Ici se mure en Auxois, entre Fontenay et Saulieu. Thank you.
Et là, Châteauneuf, dont l'imposante enceinte du XIIIe siècle commandait la route de Dijon à Autun. Entre Châteauneuf et Dijon, le château de Commarin, dans la sévérité de ses douves et l'élégance de son jardin anglais. Et Dijon, enfin. Capitale des ducs de Bourgogne, au nombre desquels les quatre célèbres Valois, Philippe le Hardi, Jean sans peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, dont le palais atteste de la richesse et de la puissance. Histoire prestigieuse que la beauté des bâtiments raconte ici partout, au fil des rues de la vieille ville. Indifférente aux richesses de ce monde, voici Cîteaux, du nom des roseaux qui poussent alentour, appelés cistelles. C'est en ces murs dont il ne reste que quelques vestiges que saint Robert de Molesme fonda à la fin du XIe siècle l'ordre des cisterciens, prônant austérité et pauvreté et qui devait rayonner plus tard dans le monde entier. Plein cœur du vignoble bourguignon, Beaune accroche au ciel les tuiles vernissées et les dentelles de plomb de son extraordinaire Hôtel-Dieu. Pure merveille de l'art burgondo-flamand, l'Hôtel-Dieu fit dire de lui longtemps qu'il était plus logis de prince qu'hôpital de pauvres. Construit au XVe siècle sur le modèle de l'hospice Saint-Jean de Valenciennes, l'Hôtel-Dieu fut uni à l'hospice de la Charité en 1805, formant ainsi le domaine le plus important de toute la région, qui doit toujours son fonctionnement à la vente aux enchères des vins des célèbres hospices. En Bourgogne, on ne mange jamais sur le pouce. Ce serait faire injure énorme à l'excellence des produits du terroir. Andouillette moutarde, bœuf bourguignon, escargot, caille à la vigneronne, coq au chambertin, ou comme chez Bernard Loiseau à Saulieu, les fameuses cuisses de grenouille. Chaque plat exige en Bourgogne le temps du plaisir. Le plaisir de le préparer et le plaisir de l'attendre. Le plaisir de l'offrir
et celui de le savourer. En dégustant toujours, bien sûr, petits et grands crus. Clou de Vougeot, vignoble illustre et cher au cœur des hommes. En cette terre depuis 800 ans, depuis Saint-Bernard et depuis Citeaux, dont le clos fut propriété jusqu'à la Révolution. Passion de tout temps que celle ici de la vigne, qui vibre plus fort encore à chaque fin d'été, qu'on revienne chanter les vendanges dans les lumières blondes d'octobre, telle fameuse, celle de Pomard. Élevé 16 mois au moins en fût de chêne, chaque cru en Bourgogne est création véritable. Aussi les vins y connaissent-ils les plus subtils qualificatifs. Doré rouge, bleuté, or vert et vert tendre, blanc sur neige, gris brun. Car les vins en Bourgogne ont chacun personnalité différente, comme si chacun se faisait à l'image de son maître vigneron, qui en garde jalousement les secrets, à l'abri des clos dressés ici en chaque domaine. Courant partout sur les coteaux, la vigne luxuriante et superbe dit combien en terre de Bourgogne le vin forge l'âme et le cœur des hommes. Dans l'indépendance farouche d'une campagne flamboyante qui semble avoir donné aux hommes la rondeur et la générosité de leur accent.